Vous suivez Agora sur Radio Télévision Caraïbe et sur nos différentes plateformes intelligentes. Et par les pouvoirs qui me sont conférés, je déclare ouvert le débat. Et c'est notre ami Jeffrey Julson qui pose la première question, premier point de vue, en allée. Bonsoir encore, professeur. Bonsoir à tout le panel. Et professeur, première question, moi, hier soir, ben du temps, à regarder. Ben des nuits. Ben des nuits, à regarder l'élection. Et ça, j'ai remarqué pendant l'élection, c'est l'État qu'on connaît que la communauté noire là, très forte là-dedans, tant que New Orleans, et pour regarder où elle basculer, c'est pour ton que grand électeur va aller. Donc, je ne peux pas te comprendre ça. Donc, je suis un petit temps. Donc, qui sont pensés? Ok, alors, leçon à tirer de Saudi là, c'est qu'il n'y a pas d'électeurs acquis, finalement. Il y a des électeurs acquis, c'est dans la base partie, on ne sait pas bouger. J'ai toujours dit ça aux États-Unis, et ça fait un phénomène des swing states, là, les états balanciers. C'est qu'on devient plus pour qui est indécis, il n'y a pas démocrate, il n'y a pas républicain, mais il y a regardé qui ça au démocrate a offert pour voter pour lui, ou bien qui ça républicain a offert pour voter pour lui, selon les circonstances. Donc, il y a une tendance qui fait quoi, qui était pensé, même démocrate, tu as trompé sur lui-même, qui était pensé que les noirs votent toujours démocrate. C'est pas vrai. Les démentis là, il y a une élection. C'est pas vrai que les démocrates sont acquis à la cause. Les noirs sont acquis à la cause des démocrates. Non. Noirs là sont citoyens américains reliés, en tout cas qui sont territoire américain, là, regardez, côté intérêt lié. Pour le connaître, côté bras de voter. En dehors du fait, effectivement, pas oublier qu'il y a une base politique, c'est-à-dire les militants démocrates, déjà militants nets, il a toujours voté. Mais si bon politique offre qui pas intéressé au tout, il n'y a pas abstenu. Et ça arrive avec le Parti démocrate là, notamment, et je ne vais pas songer qui est là, mais une forte base de jeunes militants des droits humains qui pro-palestiniens, qui américains, ou bien d'origine et arabe, palestinien, etc., qui aux États-Unis, qui démocrates, moi-même, j'ai assisté en août à congrès Parti démocrate là, il était devant le congrès, il avait manifesté, il dit, il faut que le candidat Paiwa dit qui salvera le fait. Nous avons un Orient. S'il n'a pas dit, nous va voter pour lui. En effet, nous ne savons pas voter. Donc, il n'y a pas d'électorat acquis totalement. Et c'est ça qui fait que nous avons gagné qu'à voter Trump. Parce qu'il a dit Trump, au frio, au projet politique, côté ouais, c'est économie, a un intérêt, c'est à lui-même. Donc, il n'y a pas besoin de ça. Donc, nous avons besoin de notre explication encore. Oui, beaucoup de oui. Et pour parler de l'attitude de certains Noirs ou des Noirs qui attire l'attention, nous recevons à Luxembourg Saint-Ville, notre première émission de fait sous l'élection américaine. Nous avons dit que des Haïtiens qui ont dit dans le micro-trottoir que le fait, ils sont prêts pour voter Trump. Et ça, nous avons avancé comme argument, c'est des valeurs que Haïti, non, Haïtiens attachent à elle, la question de l'homosexualité, la question de l'avortement, ouais, le bonnet. Haïtiens pas trop pour ce genre de pratique, ça. Il y a des Haïtiens parce que les républicains ou même contre l'homosexualité, ou contre l'avortement, Haïtiens ont retrouvé un discours. Ça y est, du coup, on dit à voter pour Donald Trump. Et voter pour Donald Trump, Floride, Donald Trump, et rien. Oui, bien. Oui, bon, c'est toujours républicain. De toutes les manières, c'est vrai. De toutes les manières. Oui, Marc. Ah oui, moi, j'ai avancé d'abord, me féliciter pour magistrale intervention et présentation que vous faites. Mais écoute, bon bagage pour nous aider à comprendre. Parce que hier soir, tu as eu un affolement auprès de certains Haïtiens vivant à l'étranger. Donc, il faut garder ça avec eux. Il y a la diaspora haïtienne et il y a Haïtiens vivant à l'étranger. C'est-à-dire, bon droit de vote. Comme si pour nous, on ne pas penser que le fait que nous avons pile de monde l'autre bois, okay, c'est tout qui a voté, là, on dit Haïtien quand il y a un monde, mais tu as supposé gagner. Bon, nuance là, et de manière imperceptible, regardez comment on a clarifié. Absolument. Ah, voilà, absolument. D'ailleurs, il faut qu'aux citoyens américains pour voter, pour nous voter. C'est pour une bagarre. C'est pour une bagarre. Okay. Et la deuxième chose concernant la communauté haïtienne, son communauté malheureusement qui est trop faible et qui est trop divisée. Okay. Donc, il y a un poids électoral certain. Il y a un poids électoral local, sur le plan local. Mm-hmm. Sur le plan local, là, ça veut dire que, où Genoa, par exemple, en Floride, c'est le côté où est que si Haïtiens ont réuni au cavoto magistrat, dans contrée, dans village, si vous voulez, et ou bien, il y a un plus loin toujours, au cavoté, il y a
représentant. Mm-hmm. Et Sheila McCormick, c'est qu'à son haïtienne d'origine, okay, qui vient à un congrès, c'est une rafoua que un haïtien arrive là. Mm-hmm. Mais c'est parce que la communauté haïtienne, dans la localité, ça, moi, la localité en termes d'État, État ça, la Floride, mm-hmm, capable de porter au monde arriver côté de l'IVA là. Mais la communauté haïtienne, non, les faiblesses, ça m'a dit à la, c'est parce que moi expert de ça, même dans des pile et pose en pile question sur les tout, mais même parce que moi intérêt en tant qu'haïtien, moi qui est dans la politique pour me comprendre, qui ça, mon capable de dans la communauté ça, côté le bâché. Faiblesse, c'est que les divisés en pile, les divisés sous division la CAILI et les divisés sous division pays d'accueil côté l'IA. Est-ce que le démocrate, est-ce que le républicain, il n'y a pas qu'on est, est-ce que il est capable de seul corps vraiment pour aller la compter, si nous comptons 2 millions haïtiens aux États-Unis, c'est quand même non négligeable. Comme non, non, parce que l'écart qui gagne entre le président qui est élu à Saké Choya, c'est à peu près 5 millions. Mm-hmm. Donc si 2 millions haïtiens ont dit ensemble, ils vont voter tel monde, il a bien plus force, mm-hmm, etc. Donc les candidats le savent aussi. Okay. Les candidats connaissent que la communauté haïtienne n'a pas en puissance, parce que pour une puissance électorale, il faut une puissance d'argent. Tout. Et c'est ça qui faiblesse la communauté haïtienne, parce qu'il manquait l'argent, il manquait investi, mm-hmm, et investi avec l'argent, vous dit tout, capable d'influencer la politique des États-Unis, hein, envers la communauté là, pendant qu'on est aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il faudrait que des lobbyistes haïtiens, des gens qui ont aux États-Unis, des haïtiens qui ont aux États-Unis, mm-hmm, qui sont capables d'influencer des prises de décisions, de législation en faveur de la communauté haïtienne. Là. Tant que Cuba ou Rivifel. Tant pour hispanique yo rive fèl, pour prendre plus large, hispanique yo imposé, mm-hmm, des décisions au Congrès américain, parce que yo gen voix, yo ka voter moun, yo capable prendre des décisions, yo gen poids économique, à partir de ça yo avancé. Malheureusement, c'est pas le cas. Oui, et parlant de hispanique, yo arrive aux États-Unis, yo pas fait grand cas de l'anglais, yo parle espagnol. Non, absolument. C'est d'ailleurs, c'est la langue. Yo parle espagnol, yo pas forcé par l'anglais. Oui. C'est langue qui prévoit qu'il va le plus parler aux États-Unis devant l'anglais, mm-hmm, dans quelques années encore. OK. Parce qu'on forte et communauté hispanophone aux États-Unis. Oui. Wilkins. Permettez-moi de saluer professeur Clarence et chaque grand monde qui sur le panel là. Question pas maintenant, il y a parti comme ça. Comme un homme politique, comment penser élection américaine est capable d'inspirer nous-mêmes en Haïti qu'à faire politique pour nous tirer les leçons de comment élection organisée et comment tout après le résultat nous doit comporter nous. Puisque en Haïti, les élections faites, tout le monde gagne l'élection sauf le monde qui gagne l'autre perdu. Oui, mais question ça. Et il y a plusieurs aspects. Si nous voulons rappeler, parce que moi-même, tout m'apprends de lui-même. Au contact de l'élection, que ce soit des journalistes et que ce soit dans la politique, effectivement. Pour moi, c'est la force de la démocratie, c'est la force des partis politiques. Pas qu'il y a une démocratie qui est forte dans le pays si le parti politique n'est pas fort. Et là, on parle de force parti politique, là, c'est pas la force brutale de pouvoir casser, non? C'est la force de l'argent qui permet qu'on intègre dans la société. Mm-hmm. Parti à entrer dans la société. Parti à des représentants de tous côtés. Les représentants, c'est des militants, des gens qui croient dans le parti, qui dévouent pour le parti. Moi, je suis dans le Congrès Parti démocratique en août dernier. C'est un phénomène extraordinaire que je ne pense pas vivre comme monde. Mais il fallait que je m'approche de ce système électoral là pour moi. Des gens qui ont foi dans le parti, qui viennent faire la queue devant le stade côté de faire congrès, depuis 10h du matin, elle a commencé à 4h de l'après-midi. Full monde qui a marché en ligne pour arriver avec discipline, sans bousculer une autre, puis arriver à une place, puis dans les discours que ancien président Obama, ancien président X et Y, ou bien première dame Capine Bay, et discours Kamala Harris a pas fait. Donc, bonne foi. Donc, la force de cette démocratie américaine, c'est force parti politique, ça y est. Alors, tout dit nous pour nous connaître, et son idée que vous véhiculez, qui était dans tête monde qui pas vérité, il y a pas que deux partis politiques aux États-Unis, il y a plus que deux partis. Mais il y a deux partis qui forment son système binôme qu'il a parce que c'est démocrate et républicain, mais c'est il y a plus que ça. Bon, dizaine d'autres partis. Oui, par exemple, il y a plusieurs autres monde qui étaient dans course là. Il y a un candidat. Il pas comme ça, il pas parler de eux même. Parce que il pas que cob aussi puissant d'ailleurs parce que c'est cob là qui a fait force parti politique là. La deuxième chose, force parti politique là tout, c'est capacité pour lui intégrer la société, pour le connaître.
qui sa telle catégorie de monde dans la société a besoin. Oui, ouais, élection aux États-Unis, pas garder uniquement en termes de résultats ou bail sous candidat qui gagne ou qui perdu, mais à le disséquer à travers différentes couches de population. Vous prenez un groupe jeune qui gagne 18-29 ans, qui l'école ou qui va à l'école, qui va faire université ou bien qui fait université. Vous allez regarder qui besoin. Vous allez adresser les besoins de la politique que le parti va proposer à l'électorat qui va le faire lever. Ça veut dire que nous tous qui sommes à la nous, à côté de l'autre, nous n'avons pas le même intérêt. Donc, le parti politique, là, pour être capable de soulever nous tous, il faut qu'il cherche à sonder nous chaque pour connaître qui est intérêt. Et puis, il va apporter une réponse pour arrêter là. Ainsi de suite, et puis, il va le laisser à corps électoral là, les dimanches là présent. Hier, aux États-Unis, vous imaginez, avant l'élection a été faite physiquement en présentiel, il y a des gens qui étaient dans 80 millions de monde qui étaient déjà voté, soit par correspondance, par voie postale, ou bien qui étaient déplacés avant date 5 novembre, puis ils ont voté déjà. Donc, ça, c'est le deuxième point pour moi-même qui est extrêmement important pour tirer le leçon là-dedans. Troisième point qui est important, c'est d'être capable de dire confiance que nous faisons système électoral dans le pays. Parce que ce n'est pas qui est prouvé. C'est nous, le 47e président des États-Unis, son pays qui a fait l'élection depuis longtemps. Système non là, il fait la confiance et il marche. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on est coquin, ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'est pas une fraude. Et nous, moi-même, j'ai été développé une idée que je vais garder par rapport à ça, je vais passer aux États-Unis, ça, je pense que je vais passer tout. Et depuis 2000, l'année 2000, puis grand scandale de fraude qui était gagné dans l'élection américaine, c'est entre Bush et Gore. Et nous avons des petits mouns noirs, mais sinon, nous avons connu. Et je me rends compte que l'élection, c'est même pas si on le soulevait dans quelques pays. Pas un peuple qui est plus intelligent que l'autre, après, dit ça a trop passion, ça va gagner passion. Après, tu as une menace pour bouler, tu as commencé à bouler, une bouler, de votre aux États-Unis. Tout simplement, il voilà, y a des mesures qui prennent, il y a des institutions qui peuvent l'empêcher que ça. Il y a des mesures qui vont pour Haïti, tout. Non, mais si ça va le le terme que m'utilisais moi-même pour les lire, moi, dit l'élection américaine est tiers mondialisée. Il y a une tiers mondialisation de l'élection américaine. Donc, il dit que c'est un pays tiers monde, moi, ouais. Alors que nous avons une vision, nous avons regardé les pour nous dire, waouh, c'est une démocratie pure. Et l'élection, en fin, fait tout le monde d'accord, perdant les gagnants pour dire félicitations. Et puis c'est la paix. C'est pas Donald Trump qui inaugure les désescalades. C'est la passion. La passion de gagner. Ou se dit là, on se formule bizarre. Tout le monde gagne sauf perdant qui lui-même. Sauf gagnant qui perdant. Oui. Eh bien, c'est ça Donald Trump qui inaugure. Donald Trump n'a pas accepté la défaite électorale lui-même. Et ça vient susciter passion. Tu es toujours une passion dans toute élection aux États-Unis, tout, mais pas aussi vivace et aussi et menaçante dans, en termes de déstabilisation du système. Non. Mais ça nous remarque, il faut dire aussi que les institutions sont tellement fortes dans ce pays qu'on n'est pas qu'à changer tout le bagage pour qu'on lit. Sinon, 6 janvier 2021, tout le monde pensait que c'était la fin du système démocratique américain, avec ça qui est passé dans le Capitole là. Et Scandoué, c'est exactement ça que les Haïtiens ont fait. On est rentré dans le Parlement haïtien. Ils ont crasé, ils ont brisé, ils ont saccagé, ils ont déféqué en dedans tout. Okay. Même bagaille américain fait tout. Mais comme système est fort, le lendemain, tout le bagaille clean up, ils mettent tout le bagaille et puis ça peut vous faire. Donc c'est ça que nous souhaitons pour nous-mêmes, comme leçon à tirer. On démocratie pour le fort, il faut institution au fort, il faut parti politique au fort, et puis pour que la société embrasse ce système pour avoir des résultats à l'île, elle a exigé des résultats. Ouais. Il y a, on va poser une question à Wiss Benz, mais il y a de cela, est-ce qu'il y a 10 ans, on va rappeler une clarence, on t'a pas tiré attention sur le fait que Tour de France. Ah oui. Qui c'est amusement, nous toujours respecté, ils ont toujours respecté date pour le fait. Le mondial, yeah. Nous connaissons tous les 4 ans, Coupe du Monde a fait. Mm-hmm. Alors que nous-mêmes, nous connaissons l'élection pour le faire, bah, jamais qu'à faire. Amusement, fait dans le temps pour le faire, mais bagaille, c'est très sérieux. Qui... C'est ça qui est la marque de grand pays. Mm-hmm. Si nous disons Haïti, nous sommes grand pays, et je me dis, pas parce que on voulait considérer Haïti comme un petit pays, ils sont un grand pays pour nous, dans la mesure de nos. De nos rêves, de nos ambitions, de nos prétentions, parce que le territoire noir c'est 27 000 km², donc on va pas considérer plus grand que ça. Oui. On va gagner une idée expansionniste, on va avoir notre territoire. Mais un pays est une organisation et qui respecte un certain de bagailles, principes, dates, etc. Et tant qu'on bouge au monde, ou qu'on date anniversaire, ou pas qu'à dire, ah, je veux dire, je ne suis plus né dès l'avant-camp.
Eh bien, grand pays ça, yo, qui fait au grand pays, parce qu'ils respectent une série de dates. Et même date d'amusement. Yo. Oui. C'est-à-dire que le championnat basketball américain, il va jamais ouvrir que le pour l'ouvrir. Non? Mm-hmm. Troisième semaine octobre, chaque année. Non? Mm-hmm. Et ainsi de suite, le championnat football américain, qui est le NFL, là, toujours fait, même l'heure à la fin, même l'heure. L'élection américaine peut être une tempête, l'ourage, cyclone, ouragan ou tremblement de terre, le 5 novembre, la fête quand même. Donc, ça, yo, c'est la marque de la stabilité aussi. C'est ça, nous, les stabilités. Stabilité, c'est fait ce qu'on peut faire là, l'or qu'on peut faire là, pour ne pas déranger un gagnant et l'autre. Parce que si on débalance, il y a des conséquences sur l'économie, et l'Amérique n'a pas quitté. Pour des conséquences politiques sur l'économie, pour l'économie écraser au détriment du monde qui a fait bataille politique pour empêcher que l'élection soit faite. Ok, merci un peu les professeurs Clarence Benoît pour aussi regarder ça. Alors, moi, une question pas non, m'a regardé sur question de migration, surtout politique, et Donald Trump, il n'a peut-être pour les appliquer dès qu'il est arrivé pour un tête pouvoir. Alors, m'a regardé sur des médias étrangers, comment il y a un pile haïtien qui allait voter, surtout allait voter Donald Trump. Mais dans la politique de Donald Trump, surtout à travers la campagne, il est toujours à parler de causer immigration. Alors, est-ce que quantité haïtien ça y est, qui déplacé, qui allait voter Donald Trump, là, est-ce que indirectement, il n'y a pas comme si renforcer la velléité de Donald Trump dans la question immigration qu'il gagne pour appliquer dès qu'il vivait sous pouvoir, surtout, surtout dans le dossier compatriote qui est l'autre bord? Si vous permettez, je dis, je ne sais pas quoi ça, je ne sais pas sur les réseaux sociaux, comme quoi Haïtien dit, well, comme il y a besoin d'Haïtien qui est venu illégal là, il peut être venu dans le programme de retourner, et il n'y a pas de voter pour Trump pour ça. C'est pas vrai. Il n'est pas capable de faire Trump changer, ou bien il n'est pas capable de faire Trump faire. Je vais ajouter sur ce point ça. Alors, dans un premier temps, moi, c'est campagne. Campagne, vous le dites, ça veut dire, vous comprenez, tu es obligé de mettre des paroles politiques pour faire des interventions qu'on est quartier. Attention, ça y est. Tu es capable de dire, deuxièmement, c'est émotion. Okay? Tu es un monde qui agit avec un peu d'émotion. Et troisièmement, États-Unis, là, qui ont un président, ce n'est pas président qui a dirigé, c'est un système. Okay? Mm-hmm. C'est pays en soi. Tu n'as pas qu'à faire ça. Mm-hmm. Donc, je pense que là-bas, il y a un contre-pouvoir. Il y a des bagages qui ont fait, et puis un sénateur qui doit dire non, ou aller trop loin. On fait un regard rétrospectif. Donc, je pense que c'est ça. C'est-à-dire, nous n'avons pas besoin de penser que tu as déjà que tu as parlé, les le pouvoir, ce n'est pas le même bagage. Ce n'est pas le système ancien. Je ne vais pas répondre. Et là, je vais rentrer dans le schéma démocrate républicain. Okay. Parce que, comme c'est Biden qui fait mon venir, donc son bon président, il fait mon venir, mauvais président, pour le faire retourner. Et pourtant, tout pendant Biden, président là, il toujours continue à excuser ces mounes. Oui, vous ça? Il y a un chat qui est sorti en article pour dire que Joe Biden voyait plus mon tourner que trois présidents que des présidents républicains en 20 ans. En fait, non, c'est clair. Depuis sous Obama d'ailleurs. Yeah. Depuis sous Obama, il y a voué mon tourner tout le temps, mais par contre, ça nous-mêmes, parce que nous parlons de mon tourner, pas faire un scandale, etc. Donc, ça, c'est politique américaine, c'est comme ça. Bien. Maintenant, puisque il y a une loi dans le pays, ça, et c'est là où il y a un secret réussite des États-Unis. Il y a une loi. Et nous devons respecter la loi. Mais n'importe qui simple citoyen qui a pour ton autorité respecter la loi. Et puis il joue un avocat. La justice disponible. Mais la prochaine justice, s'il y a raison, il y a raison. Donc, on ne peut pas pour un citoyen dans la rue pour voir le tourner dans le pays. Parce qu'on vous dit, est-ce qu'on est légal ou illégal, on ne doit pas se faire rafler. On rafler les gens pour voir jeter. Non, bagarre. Trop ou bien dit-il. C'est le République Dominicaine fait. Oui, ça, c'est totalement illégal. Il fait. Il compte toute norme. Oui. Et aux États-Unis, on a vu l'Amérique campé qui tout pas faire ça. Ok. Maintenant, je vais me dire l'autre Jean-Paul, ou ce que dit Jean-François, c'est que, il y a une loi. Si on entre déjà aux États-Unis, qu'on y a envers des portes, il y a des gens qui sont faits, qui ont travail, qui ont papier, etc. Il n'y a pas qu'à prendre, vous pouvez aller, ça va vérifier tout le bagage. Et deuxièmement, qu'on y a là, la loi nous doit empêcher, parce que c'est un tribunal qui va décider si vous voulez aller ou bien si vous voulez aller. Donc, tribunal qui occupe de questions de migration. Oui, et Luxon Séville te dit nous ça, il y a des experts qui montraient que si Donald Trump tape sous lui-même, vous le voyez, on nous dit, puis là, il s'est calé dans le programme Biden, il tourne, ça a coûté des millions de dollars. Absolument. C'est expulsion massive ou bien déportation massive, là, tu as une perte énorme. Et deuxième barrière pour qu'on ait une question là,
c'est que Biden n'a pas fait mon venir parce qu'il a envie de soulager Haïti d'un poids de nombre de monde. Non, non. Besoin conjoncturel qui fait le FM. Besoin conjoncturel, son besoin économique, main-d'œuvre. Main-d'œuvre, bon marché, pas oublier, nous sommes sortis dans la période Covid, qui a fait pile victime aux États-Unis. Et pour remplacer le monde qui parle là encore, il faut gagner main-d'œuvre. Qui ça fait économie marché? C'est les bras humains. Oui, oui, oui. C'est le monde qui fait économie marché. C'est une opportunité migratoire qui est open. C'est pas les États-Unis seulement, non. C'est plusieurs pays plus, de tabac. Absolument. D'ailleurs, si nous songeons, et nous assez intelligents, jeunes, c'est vrai, mais nous songeons que après 2010, qui premier vague migratoire haïtienne qui était gagné, allé au Brésil. Pourquoi ça Brésil te fait haïtien au venir? Et pas parce que tu es dans l'Angleterre, non? Non. Parce qu'à l'époque, Brésil t'a construit un pile stade, tu parles de Coupe du Monde 2014, c'est bien. Et besoin de main-d'œuvre, c'est où, mais besoin de main-d'œuvre, bon marché. Ça fait, pour me prendre sur sa présentation, sur tout à l'heure, les République dominicaine qui a fait travail ça, c'est parce que ils ont servi avec lui comme un élément de suffirien, je dirais, comme s'il pas pourquoi, il n'a pas respecté les normes, il n'a pas respecté les conventions, il n'a pas respecté rien. Ça fait, je me dis, récemment, je me doutais est-ce que c'est yo capable compte tenu importance haïtien en République dominicaine, donc pour juste pour mon là c'est avec un pile fracas que tourner la Haïti là ça permet à ce qu'on réfléchit parce que ça a plus profond. Donc pour retourner sur question François et non bah Trump pas capable d'expulser moun n'importe dans n'importe quelle condition la passe par processus légal. Et il dit déjà hier soir dans le discours de Victoria. Oui, oui, il dit oui, nous quittons mon vini. Oui. Légal. Légal. Mais messieurs, dames, sous vos frontières, attendons-nous. Et que nous avons passé là dans ta compas, soit sans papier, sans qu'elle aille. Pas aucun monde qui a accepté ça dans aucun pays. Jamais. Évidemment, il y a des gens qui bénéficient de lui, mais oui. Homme d'affaires, qui a un business qui a besoin de travail dans le jardin, dans le côté. Dans tout cas, exception. Mais, pas qu'il n'y a aucun monde qui est un chef d'un pays qui a dit quitter mon affaire sans contrôler. Parce qu'on ne sait pas qui est ce qu'il a fait. Et même pour nous-mêmes, Haïti, qui sont un pays qui est un petit peu désorganisé, si vous voulez, ou bien frontière, ou bien port et aéroport. C'est peut-être ça, mon passeport est venu pour qui est-ce, pour pouvoir retracer le côté de la. Il m'a donné l'entrée, quand on descend, quand on va aller, qui téléphone. C'est parce que un pays, bah, on passe en porte ouverte à n'importe qui, mais il y a un minimum de contrôle pour y mettre. Donc, probablement, il y a une restriction de la migration américaine, non? Que légale ou que illégale, parce qu'il va monter, effectivement, Trump met des barrières, il va mettre un pile de gardes aux frontières, libéral va une restriction de visa à tout, c'est-à-dire qu'il va avoir plus de monde. Et refus que bon, visa, parce que monsieur dit, il y a assez de monde, il n'y a pas besoin de trop de monde encore. Mais le jour. Les besoins monde pour une raison économique, la faire venir. Bon, on peut-être pas ici, on peut venir. Absolument. Oui. Il n'y a pas ici. Lundi, non.